Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Je Réfléchis, volume 3, High Frontier for All. Pas à pas, pardon, j'étais en train de me dire est-ce qu'on est au volume 2 ou au volume 3, donc High Frontier for All, pas à pas pour débutants sur le module de colonisation, et donc on en est au volume 3 de cette grande série épique, j'espère. En tout cas, j'espère que ça correspond à des personnes. Donc, on a toujours Roscosmos, qui est une faction plutôt, en fait, on va dire félonieuse, si je puis dire. De l'autre côté, c'est encore plus tourné vers la félonie, donc les crimes, etc. Celle-là, ça permet de récupérer des aquas éventuellement lors des revendications à industrialisation. Sauf que pour l'instant, ce privilège est bloqué si vous avez suivi la vidéo 1, parce que je n'ai pas de Home Burnol. Un Home Burnol, c'est un Burnol qui serait ancré sur les zones apicaux autour de la Terre. Voilà, on a répandu des délégués un peu partout dans l'assemblée politique. On n'a pas subi de gros dégâts pour l'instant de débris, etc. en low Earth orbit parce qu'on s'est pas arrivé. On a eu pas mal de glitch, donc défaillance technique, mais il n'y avait rien qui était soumis au glitch. On est toujours limité avec notre main parce qu'on n'a plus Shimizu Corp. Alors là, on est limité à 4 brevets en main pour pouvoir acheter. Je m'interroge sur quoi faire, je dois dire. Donc là, la loi active, c'est la loi Freedom. Je vais pas trop vous dire sur quoi on va partir là parce que j'en sais rien en fait. L'idéal, ça serait d'avoir un Bernol. Mais bon, ça c'est le but de la vidéo, hein, pour que vous voyez comment ça fonctionne et éventuellement d'utiliser un ou deux colonistes. Si on arrive même à en faire la promotion, ça serait top. C'est pour ça que ce Bernol peut être pas mal. Pourquoi? Parce que vous allez voir que pour le faire la promotion, il faudrait une colonie sur un site atmosphérique. On sait que Mars sont des sites atmosphériques, donc si je me mets en low Mars orbite, eh bien je vais pouvoir en faire la promotion du moment que j'ai une colonie là-bas. Et ça peut être cool. Ça peut être cool. On peut faire un Bernol d'ailleurs sans Home Burnol. On peut mettre un Bio Burnol, donc c'est Beyond Earth Orbit Burnol, ailleurs avant d'avoir un Home Burnol. C'est juste que le Home Burnol, ça permet d'avoir des sous régulièrement, comme je disais, ça permet d'avoir un aqua par tour, par an. C'est pas la panacée, mais c'est pas mal. Donc là, moi, déjà, si je veux juste booster ça, c'est 3, 5, 7, 7 aqua. 7 aqua, j'aurai une fusée, je pense, fonctionnelle, mais qui me coûterait très cher. Sauf que ça pourrait être intéressant. Après, je vous cache pas qu'avoir un Bernol, ça serait vraiment le top. Sauf que là, acheter un Bernol en l'état. Acheter un Bernol en l'état. C'est un peu chiant, mais je peux éventuellement le faire. Je peux éventuellement le faire pour vous montrer un peu comment ça marche. Ok, ce que je vais faire, je vais acheter le Bernol pour un aqua. Ah, et par contre, si je veux acheter la carte qui va avec, il faut que je rajoute un aqua parce que la loi active est Freedom. Donc c'est plus le Equality qui me permet de faire la doublette. Et ce truc est pas mal parce que ça me permet. Alors ça, je peux pas m'en servir pour industrialiser ou pour revendiquer un site, mais par contre, je peux entrer de manière safe dans Aerobrake Landing. Donc ça veut dire que si je veux aller sur Mars. Je peux faire ça de manière safe. Alors, je suis en train de réfléchir. J'ai coupé pendant 5 minutes au moins parce que je suis en train de réfléchir à plusieurs possibilités. Je pense que ce que je vais faire, c'est. Alors, soit j'achète. En fait, j'ai trois possibilités. Soit j'achète le Bernol
et le générateur, ça va un peu me retarder, mais bon, pourquoi pas. Soit j'achète la raffinerie et le générateur, soit je vends ces deux cartes, donc cette raffinerie et ce réacteur, je vends ces deux brevets. Mon idée étant de éventuellement me manquer très proche et de faire un petit tour de passe-passe pour ensuite amener mon Bernol vers Mars. Et je vous expliquerai comment je ferai tout ça avec ma roquette. La décision n'est pas aisée. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur ma première idée. Je vais acheter mon Bernol. Et je vais prendre pour un deuxième aqua le générateur qui correspond. Donc on a l'apparition d'un deuxième Bernol qui est intéressant pour moi visiblement parce qu'il y a pareil une colonie. Il peut être mis sur une colonie comme ceci. Et c'est surtout que si c'est mon home Bernol, ça permet d'éviter les belles trolls. Donc les belles trolls, c'est les rôles radiation là, autour de la Terre. Donc ça, ça peut être pas mal. Mon Bernol, celui-ci. Si je le mets en home Bernol et si j'en fais la promotion ailleurs, il peut... En fait, les lander burns sont considérés comme des burns normaux. Ça veut dire que je pense que j'ai pas besoin, par exemple, de rocket plane acetylene liftoff sur Mars, dont je vous ai parlé. Vu que c'est pas un lander burn, je peux décoller normal avec un factory assist. Et ça serait vraiment pas mal parce qu'en fait, ça annule le lander burn, donc j'ai pas besoin. Pardon, j'ai pas besoin d'acetylene rocket plane liftoff. Même s'il y a l'atmosphère, en fait, c'est nécessaire pour faire l'acétaline rocket plane liftoff. En fait, c'est une obligation de faire un acétaline rocket plane liftoff où il faut payer très cher s'il y a un lander burn, donc le burn avec les pattes. Mais pour pouvoir le faire, il faut avoir une factory avec sur un site atmosphérique. S'il n'y a pas le lander burn, parce que j'ai une capacité qui fait que ça ne correspond plus à un lander burn, ça veut dire qu'en fait, je peux décoller avec un factory assist liftoff standard. Et en fait, c'est soit ça me coûte un hazard roll parce que je décolle. Si j'ai une colonie, en fait, j'ai même pas besoin de payer le fino de 4 à quoi. Je peux décoller direct. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Donc, on passe une année. 4. Alors, ben voilà, on y est. Space débris. Je prends... tout ce que j'ai en hélio, mon crew est immunisé et je regarde l'équipement qui aurait la masse la plus importante. Si c'est que des masses 0, ben je prends celle que je veux. Sinon, c'est la masse la plus importante. Moi, c'est mon réacteur 1. Il est détruit en fait avec des débris spatiaux. Il retourne dans ma main. Voilà. Alors, comme opération, parce que je ne pense pas en avoir fait une. Je vais vendre ces deux cartes. J'espère que j'avais pas acheté plus de cartes qu'il n'en faut. Je vais vendre ces deux cartes pour 6 en vertu de la loi active. Ça m'emmerde un peu, mais c'est dans le but du volume 3. Donc je prends 6 à quoi. 2, 4, 6. J'ai réalisé mon tour, faire mon année, et là je vais booster, je vais faire une opération de boost et je vais booster mon Bernol, mon réacteur, radiateur, générateur. Je peux pas utiliser ce générateur pour ancrer un Bernol ou pour industrialiser, mais c'est pas grave, je vais le prendre quand même, il coûte 0 de toute façon, donc 10, 11, 13 et 0. Donc 13 à quoi ? Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 à quoi de payer ? Ok. Et
Je place mon Bernol ici. Donc je vais le mettre en hélio. Voilà. C'est que t'es colocalisé et tout ça. Hein. C'est juste que je mets tout dans le bon stack. Parce que sinon c'est le bordel. Ok, donc il me reste que 4 à quoi. Donc vu que c'est colocalisé, il va prendre le radiateur avec lui. Et il va prendre ce truc, le générateur. Donc, il a besoin de ça, plus, donc il a besoin du générateur qui a besoin du réacteur, et ils ont besoin de deux cooling terms, ok. Donc j'ai un Bernol fonctionnel qui va pouvoir être ancré. Donc ma dry mass est de 10, 12, 13. Et je vais faire une petite technique. Alors je me suis renseigné, a priori c'est faisable. C'est que je vais aller m'ancrer dans le cycler là d'abord. Je vais expliquer pourquoi. Donc là je vais ajouter... on voit que mon... pour l'instant j'ai un net trust, j'ai un base trust de 3. Ok, et chaque burn, on voit que c'est un triangle noir, donc c'est du dirt. Donc en fait je peux mettre de l'aqua et ça sera transformé en dirt parce que c'est au dessus. Je pourrais pas transformer du dirt en aqua. Par contre je peux alimenter un truc aqua avec du dirt. C'est juste que si je remets de l'aqua, il faudra que je vide mon dirt. Il faudra que je reparte à zéro quoi. Donc mais on y reviendra. Donc là je vais remplir avec de l'aqua pour avoir juste un burn et me mettre dans le cycler. Donc j'ai besoin de 3 d'aqua que je paye. Et je mets ma wet mass qui est noire à 1, 2, 3. Ok, donc de 13 à 16. Donc j'ai un net trust de 3 moins 1. Et j'ai pas de power sat. J'ai pas l'habilité power sat, même si je pourrais l'avoir si je l'avais. Enfin, si je l'avais, je pourrais l'utiliser avec ce thruster plus exactement. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer ici. Alors, c'est peut-être un plan à la con, je préfère prévenir, on verra. Je suis out of fuel, direct. 1, 2, 3. Ok. J'ai fait mon opération qui était du boost, je peux rien faire d'autre. Nouvelle année. Oh, putain, cassé. 3. 3 c'est toujours la même chose. Pardon, j'avais pris mon équipage avec moi. Excusez-moi. Parce que en fait ça aurait été la même chose, sauf que j'aurais été en netrust de moins 2. Et je pouvais faire mon burn. Oui, j'ai oublié, je me disais que j'étais bien à 14 et pas à 13. J'avais oublié mon crew. Et pourquoi? Justement parce que là, vu qu'il y a des glitches, sans Helio, même sans crew, c'est bon. Et sinon j'aurais été comme un connard. Et bon, j'avais zappé. En posant la question sur le Discord officiel là, j'ai oublié des étapes. Donc là ce que je peux faire maintenant, je vais faire une nouvelle opération anchoring qui est ici. Donc je vais créer une colonie orbitale fonctionnelle. Donc par contre, donc je dois alors mon crew est ici. Je dois décommissionner tous les supports. Donc il a besoin d'un générateur, qui a besoin d'un réacteur, qui a besoin d'un radiateur. Le radiateur compris, je décommissionne. Ok, ça revient dans ma main ça. Ok, ça c'est pas mes sous, hein. J'avais payé. Donc qu'est-ce qui se passe? Je place une colonie sur le petit dôme ici. Hop là. Et je vais ce qu'ils appellent exomigrate. Donc je prends ça, mais c'est un robot. Donc tant que j'ai pas autre chose en main, un humain,
Je continue à piocher. Et après, alors je sais plus si c'est avec le module 4 ou pas, mais je garde qu'un seul robot de tous ceux que j'aurais pioché, que je mets dessous, et je garde un humain. L'humain, c'est un miner coloniste. Tac, ici, je le mets dans mon home burnel. Ça, c'est en main. Ça compte comme brevet. Donc là, je suis un peu baisé, mais je vais pouvoir le vendre parce que c'est un robot. Sauf si à un moment donné, avec je sais pas si dans le module 2 on peut simplement, mais ils peuvent être émancipés les robots, auquel cas ça devient plus des brevets, ça devient des êtres qu'on doit considérer, et donc c'est différent. Bref, ceci étant dit, j'ai mis mon mineur dans mon burnhole. Normalement, c'est un home burnhole. Ok. C'est un home burnhole parce qu'il est sur les picots. Alors là, j'ai pas la capacité homme, je pense. Pourquoi? Parce que la façon dont c'est écrit, ça me dit que Anchoring in GEO require Epic Hazard Roll. Là, vous voyez, j'ai pas fait de roll. Normalement, je vais vérifier, mais il n'y a pas de Epic Hazard Roll là. Et je peux booster ici without doubling boost cost. Donc là, j'ai pas cette habilité de booster sans payer le double en fait. Je suis obligé de payer le double si je veux booster directement dans mon burnhole. Mais je peux booster dans mon LEO quand même. Donc j'ai fait mon opération, j'ai fait un mouvement de roquette, enfin de spacecraft qui est mon burnhole. Je pourrais bouger ma fusée si j'avais envie, mais ce n'est pas le cas. Toute façon, je peux pas la bouger, elle n'est pas fonctionnelle, il manque le réacteur. Qu'est-ce qu'il me faudrait faire? Ce qu'il me faudrait faire maintenant, c'est le. J'ai fait ça. Là, ce que je peux faire, c'est une opération, une free action maintenant, parce que j'ai ancré, de un anchoring. Donc, un encore, ça veut dire que je perds mon dôme, et donc, du coup, je dois perdre ce coloniste. C'est dommage, il était pas mal, et un mineur, c'est pas mal. Donc, je vais un encore mon Bernol, vous allez comprendre pourquoi. Donc, je perds ce coloniste. Je vais retirer le dôme que j'ai mis parce que je perds voilà, la colonie. Hein. Et je vais pas avoir mon aqua parce que j'ai plus de home burnol, malheureusement. Par contre, ce que je peux faire quand on unencorde, ils partent du principe qu'en fait, dans l'atmosphère ou en tout cas dans l'espace, il arrive à, même si ça a duré très peu de temps, il arrive à raffiner du dirt. Donc quand on unencorde un burnhole qui soit avec des dirt side ou ici, du moment qu'on l'unencorde, on peut remplir en dirt, on arrive à récupérer du régolithe, on peut le mettre à fond si on veut. Donc là, j'ai récupéré tout. Ma masse est de 11 et plus de 14. Ma masse sèche. J'ai toujours un net thrust de 0, de 1, pardon. Je vais enlever tout le reste. Donc j'ai enlevé le dôme, j'ai mis mon coloniste que j'ai perdu dessous, parce qu'on a fermé cette colonie. J'ai déjà fait mon mouvement, je vais rien faire d'autre. Bim, ici. Quand je bouge mon burnhole, je crois, je sais plus si je peux bouger ma roquette ou pas, mais là en fait mon thruster actif c'est celui-là. Donc je pense pas qu'on puisse bouger le burnhole puis la roquette. C'est soit l'un soit l'autre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner en LEO et vous voyez que j'utilise pas de fuel en fait. Donc je vais arriver ici, j'utilise pas de fuel. Et pourquoi en fait? Alors déjà, mon aqua revient en LEO parce qu'il était vu qu'il n'y avait plus de home burnhole. Mon crew, bon de toute façon, tout est colocalisé parce que j'ai tout amené là. Vous voyez? Alors ça, faut pas se tromper. C'est pas boosté. Ok, donc en fait j'ai fait ça pourquoi? Parce que là j'avais mon thruster actif qui était le burnhole. Ok, on s'en fiche. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action de vente. Je vais vendre ça pour 3 aqua
parce que c'est un robot, c'est pas un humain, donc je peux le vendre tant qu'il n'est pas émancipé. Ok. Je récupère 3 aqua. Tac, très bien, parfait. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est transférer de stack à stack. Donc en fait, mon fuel là, mon dirt fuel, je peux le mettre dans ma roquette ici. Je peux pas l'utiliser direct parce que j'avais ça, j'avais ce thruster actif dans ce tour là. On n'a qu'un thruster actif, sauf quand il y a un freighter. On n'a qu'un thrust triangle actif. Donc là, je vais retirer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 de fuel. De dirt. Est-ce que j'ai le truc là? Non. Bah, je vais prendre... Ouais, il est là. Donc 21, j'ai dit. Hein. Et là, je vais juste mettre ma masse sèche. Donc j'ai 10, 11. 11. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Quand je fais des rajouts ou des enlèvements, on va dire, de, ou des soustractions de fuel, je suis bien la ligne violette. Quand je consomme, je suis la ligne noire. Faut pas se tromper. Hein. Les pointillés, là, pour ajouter du fuel ou en enlever, c'est les pointillés violets. Quand je consomme, là, je vais devoir suivre cette ligne. Et ensuite, je vais suivre le truc standard. Donc oui, et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que je crame pas d'aqua parce que je retourne en hélio et c'est pas violet ici. Donc vous savez qu'on crame pas de dirt fuel ou d'aqua ou de fuel, n'importe lequel il soit. Voilà. Donc j'ai fait mon mouvement, mon opération. Je peux pas bouger ma roquette parce que j'avais utilisé mon autre thrust triangle juste avant. Événement. Ah ça, ça fait chier. Ça fait chier ça. Ça fait très chier. Ça fait très très chier. Donc pourquoi? Parce que mon thruster il a besoin de ce truc. Non, il a besoin de ça, pardon, pour fonctionner. Et c'est ça. Mon Bernal a besoin de ce générateur là. Ça fait chier ça. Donc là j'ai un budget cut, il faut que je me sépare d'une des trois cartes. Il faut que je réfléchisse. Bon, c'est bien réfléchi, je vais me séparer de ce radiateur que j'apprécie bien, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois. Surtout que c'est un S, ça fait chier. Bon, derrière il est pas top. Et je pense que je vais prendre celui-là. Parce que c'est un C, enfin je vais essayer de le récupérer à un moment donné, parce que c'est un C, et ça va me permettre éventuellement de d'avoir ma chaîne de support. Il me faut juste 2 de cooling term, il n'y a que 1 de masse supplémentaire. Bon, au point où j'en suis, j'ai pas non plus fait un dégât. Donc ce que je vais faire, je vais me séparer ouais, de ça, j'ai pas trop le choix en fait. Tac. Ok. Donc maintenant, je peux plus avoir de budget cut là, donc c'est bien, j'ai gardé mes 2 cartes. Comme opération, il me faut une refinery. Celle-là peut être pas mal, c'est une D. Celle-là peut être pas mal, c'est une D. De quoi j'aurais besoin? Après, je vais générer de l'aqua. Alors, je vais acheter ça pour 1, parce que j'ai pas la loi active qui me permettrait de faire quelque chose d'intéressant, d'en acheter plusieurs. Je dépense 1 aqua. On avance. Maintenant, je vais acheter ce radiateur-ci. En espérant qu'il soit bien. Ouais, il peut être pas mal. Parce qu'il est moins lourd. Là, ça va me faire chier pour l'aller, mais bon. Et donc, je paye 1. Tac. Je peux rien faire d'autre. Enfin, je pourrais faire autre chose, mais ça m'intéresse pas. J'avance. Qu'est-ce qui se passe? 4.
Alors malheureusement, putain, c'est en... Ça va. C'est Space Debris et pas d'explosion. J'ai mis là, mais je suis en Helio. Tout est en Helio pour l'instant. Je suis en train de constituer ma roquette, mais je suis en Helio. Ça veut dire qu'il y a des Space Debris. Mon crew est immunisé. Mon Bernol est immunisé, malgré sa masse la plus importante, et tant mieux. Donc je vais perdre un truc qui est masse 0. Masse 0, masse 0, masse 0. On s'en fout. Je vais prendre ça, mettons. Ça change rien. Enfin, ça change rien. Si, ça change un peu. Mais ça m'emmerde. Ok. Donc, ce que je dois faire là, par contre, en fait, c'est absolument me faire du pognon. Parce que là, pour booster, il me faut 1, 4 et 2, et 3, 7. Il me faut 7 à quoi? Ou alors je vends mon radiateur et la prochaine année j'achète celui-là qui est 1 de masse. Mais il a une résistance aux radiations merdiques et ma fusée va aller quand même pas trop vite. Donc qu'est-ce que je peux faire? Alors ce que je vais faire c'est que je vais booster ça pour 0. Vu que c'est 0. Zéro. Allez, éventuellement, ouais, je vais booster ça et je vais booster ça avec. Donc ça me coûte un à quoi? Parce que c'est un de masse. Ok. Bim, on est ici. Alors. Je peux acheter une carte. Je peux acheter une carte et je vais acheter ça. Pour 1, mon dernier à quoi? Je peux pas faire grand-chose d'autre. J'espère que ça va pas me faire chier. 5, Solar Flare, mais je suis immunisé là, j'ai rien qui est en panique. D'ailleurs, je vais changer le token parce que celui-là de Bernol. Il va rester là-dessus. Ça va être ma fusée qui est en LIO1 qui va prendre le contrôle. Et donc, là j'ai besoin de pognon, donc je vais vendre ça pour 3. Donc j'ai 3 à quoi? Je le mets dessous. Tac. Ok, ça fait chier parce que c'était cool, c'était du C, mais bon, c'est pas grave, ça pèsera moins lourd. J'ai fait mon opération. Ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux booster que ça. Je peux pas booster ça. Donc, je vais faire une opération de fundraise. Pour. Je vais changer. Je rajoute pas de délégué. Je rajoute. Ah si, j'aurais pu faire autre chose en fait. Ah, j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu faire une action de lobby tout à l'heure. J'ai oublié. À la place d'acheter ça. Bon, c'est pas grave. Parce que le lobby, ça me permet de payer un aqua, d'enlever un délégué d'une loi inactive et de pouvoir l'utiliser. En fait, j'aurais payé un. Et j'aurais pu utiliser une autre loi pour acheter deux cartes. En fait, j'aurais payé deux. Bah, ça aurait été plus ou moins la même chose en fait. Ça. Ok. Donc, ouais, je fais une opération de fundraise. Est-ce que je rajoute un délégué? Est-ce que je vais utiliser un délégué? En mettre un. Ouais, je vais en mettre un là. Pardon, pourquoi je mets un à quoi? Je vais mettre un délégué ici dans Individuality. Ici. Je change la loi. Et maintenant, le boosting action est une free action. Ça va me coûter des sous, mais c'est une action gratuite. Et donc, de fait, je peux booster
Mais c'est 2 cartes en plus, vu que c'est une action gratuite. Donc pour 4, 4 à quoi? Ça dégage. Donc ça veut dire qu'en fait j'ai fait une opération de fundraise, j'ai récupéré les sous, j'ai bougé un délégué, j'ai fait un vote tally. Et vu que maintenant la loi active, ben, c'est boosting is a free action, j'ai une action gratuite pour booster, j'ai juste payé, merci, au revoir. Là, on va calculer la masse. 4, 5, 15, 16. J'ai une masse de 16. Masse sèche. La masse humide ne bouge pas parce que je suis au max de toute façon. Ok, et donc par contre, je peux bouger. Je peux bouger ma roquette. Donc là, c'est vraiment mon thruster. J'ai un net thrust de 4 plus 3. Donc ça fait 7. Moins 2 en vertu du poids humide, donc je suis à 5. Donc ça veut dire que même si je fais 6, 6 moins 5, si je lance un dé parce qu'il y a pour la radiation, 6 moins 5 parce que je suis en période bleue, ça me fait 1 et j'ai aucun équipement à moins de 1. Donc ça veut dire que je peux passer la radiation sans m'embêter. Je vais avoir 3 burns. Donc 3 burns. Ça va être pour arriver sur Mars. Donc ça va être 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ce qui est un peu con dans tout ça, c'est que quand je vais devoir industrialiser, je vais perdre des équipements. Je vais perdre des équipements, j'ai pas pensé à ça. Bon, on va voir. Chaque chose en son temps, je peux bouger. Donc, j'ai combien de burn de dispo de fuel? Alors, un burn. Ici, je passe parce que par rapport à ma vitesse, je viens de l'expliquer. Je m'arrête ici. Donc, j'ai deux burn. Donc, je paye. Là, je suis bien la ligne noire, hein. Donc comme je suis au fond, c'est je pars tout droit d'abord. Donc 1, 2, 3 par rapport à mon thruster. 1, 2, 3. Ok, j'ai utilisé 2 burns. Il me restera 2 burns. Ça tombe bien, je vais en avoir besoin que d'un. Pardon, je suis dans le flou. Ok, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Bim. 3, glitch. J'ai mon équipage à bord avec moi, tout va bien. Ok, donc là, j'arrive ici, je vais me poser sur Deimos site de taille 1. Déshydratation. Non, mais je vais pas me poser là, alors je suis un débilos. Alors je fais un truc que je voulais pas faire au début. Mais bon. J'ai complètement changé mes plans. Je voulais aller là-bas et en fait je me suis fait prendre par le burnol et le truc, c'est pas grave. Donc en fait je vais pas là, pardon. Je crame mon burn, je me mets ici. Donc je crame mon burn. Oups. Pardon, j'ai été coupé. Donc je me suis arrêté, je laisse mon burnol en low Mars orbit de manière adjacente. Je vais lui transférer le fuel. Il me restait 3 steps de fuel. Donc là, il fait 10. 1, 2, 3. Pardon. Donc j'ai suivi la ligne violette. Hein. 1, 2, 3. Ok. Est-ce que je lui laisse autre chose? Est-ce que je lui laisse autre chose? Là, vous voulez me dire, est-ce que comme opération tu peux pas l'ancrer? Non, je peux pas l'ancrer parce que d'abord il me faut un dirt side. Il me faut un site avec une factory adjacent qui soit réalisé. Donc là pour l'instant je peux pas le faire. Je le laisse là parce que je vais pas me poser avec, sinon ça va me coûter trop d'argent pour le sortir de Mars ensuite. C'est pour ça que je m'arrête. Donc je fais ça, est-ce que je lui laisse quelque chose? Ma roquette elle a besoin de quoi là? Elle a besoin de ça. Je fais un peu le tri. Hein. Je vais garder mon crew avec moi. Elle va avoir besoin du robot note, du réacteur pour
avoir un thruster fonctionnel. Même si en fait en soi je m'en fiche. Parce que j'ai pas besoin de cramer du fuel, mais je crois qu'il faut qu'il soit fonctionnel. Enfin, il faut au moins un thrust triangle, même s'il n'est pas fonctionnel, pour faire ce qu'ils appellent du coasting. Parce que là, je vais plus avoir de burn de fuel. Je vais prendre celui-là parce que ça me permet d'éviter. Je peux entrer de manière sécurisée dans un espace aerobrake landing, ce que je vais faire, sans payer de fino. Par contre, je peux pas l'utiliser pour le burn et tout ça, comme j'ai dit. Bon, mais du coup, est-ce que je suis obligé d'avoir ça? Parce que pour industrialiser, je peux pas l'utiliser. Donc, je suis obligé d'avoir ça. Qui va être obligé d'avoir ça? Blablabla. Blablabla. Ça va être chiant de chez chiant. Alors, bon, il va me falloir ça aussi, et ça aussi, bah, en fait, faut que je garde tout, quoi. Donc, ma roquette, là, actuellement, je vais pas pouvoir avancer, hein, évidemment. Ma roquette, actuellement, elle fait 0, 0, 3, 4, 0, donc 5, et 6 avec l'équipage. 6 de masse, 0 de fuel. Je retourne le cheat en bleu. Donc là, j'aurai un net thrust de 7 parce que je suis en masse 0. Même si j'ai pas de fuel. Ok, donc je peux pas faire d'opération d'anchoring actuellement. Je peux rien acheter. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une opération de fundraise. Et je mets mon aqua toujours en LIO parce que j'ai pas de home burnall. Et ça sera pas un home burnall là-bas, ça va être un bio burnall. Donc ça sera même pas, j'aurai même pas ma capacité home burnall. Ce n'est point grave. Ok, donc j'ai fait une opération de fundraise. Je vais garder ça comme ceci. Ok, on vient de finir le deuxième cycle. On va remettre là. Claim disk, on sait jamais. Ok, donc c'est la fin de la seconde partie. Désolé, ça a pris un peu plus de temps, un peu plus de réflexion de ma part, parce que ça commence à être un peu plus fourni, entre guillemets. J'espère que ça a été. Donc vous avez vu l'utilisation du Dirt Fuel. Je peux faire un transfert, même si mon thruster est en aqua, en Dirt, mais il faut que je choisisse d'abord le thrust triangle là, que je switch, c'est comme si j'utilisais l'équipage, en fait ça va me retarder d'un tour quoi, si je fais ça. Donc voilà, on a vu ça, vous avez vu un peu le home burnall, ce que ça m'a fait. J'ai pas eu le 1 d'aqua parce que j'ai pas attendu le tour suivant pour le désancrer. J'aurais peut-être dû, ça m'aurait gagné juste un aqua supplémentaire d'ailleurs. Et par contre, voilà, vous allez voir l'installation. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie. Je vous récupère la prochaine fois pour le troisième cycle. Troisième et avant-dernier cycle solaire. On a fait donc 24 ans, 2 fois 12 ans. On espère pouvoir poser un burnall, poser éventuellement un burnall, éventuellement promote un burnall. Et ben voilà. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, partager, laisser un commentaire, dire quelque chose, une remarque, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.